Regardez ça, ce petit oiseau. Hein? Ce petit oiseau, il est pas gêné. Les autres se sont tous sauvés quand ils ont vu la caméra. Hola, Internet! Comment ça va? Ça me fait longtemps. Ça fait quoi, 5 mois? 5 mois qu'on s'est pas parlé? Je m'ennuyais. Je m'ennuyais de vous autres. En fait, non. Je m'ennuyais pas de vous autres. Je m'ennuyais de taponner sur mes bebelles, ma caméra. Je m'ennuyais de faire du montage. Je m'ennuyais d'essayer des nouvelles bebelles. Puis là, ben, j'ai un nouveau micro, voilà. Mais sinon, je m'ennuyais pas partout. Je m'ennuyais pas partout de vous autres! Non, je me suis ennuyé de vlogger, puis je me suis ennuyé de communiquer de cette façon-là. Puis je m'ennuie vraiment de produire des trucs, de faire de la vidéo, de faire des trucs pour ma chaîne YouTube. Ça va tout revivre, on va tout redonner vie à tout ça. J'ai plein de nouveaux projets, c'est un peu pour ça que j'ai comme arrêté de vlogger. Un, c'est parce que le vlog, tranquillement, pas vite, va se dissoudre dans l'univers. Ça va devenir autre chose. Il va y avoir encore des parties vlog, mais ça va être intégré à d'autres affaires. En tout cas, je suis en train de repenser toute ma façon de faire. J'ai des nouveaux projets, de podcast. Il y en a qui vont mourir, il y en a d'autres qui vont renaître. J'ai des nouveaux projets de documentaires. Parce que, je sais pas, on dirait que dans les derniers mois, j'étais tanné d'être moi-même le centre, le seul sujet de mes créations. Fait que j'ai le goût de, je sais pas, de me concentrer sur d'autres personnes, de me concentrer sur d'autres sujets. Fait que je suis en train de reprendre goût au documentaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Inquiétez-vous pas, ce sera pas sur Jer. Mais oui, Caroline, je suis tellement heureux. Tout va bien ici. Je travaille beaucoup, je travaille énormément. À chaque semaine, évidemment, je travaille sur sous-écoute. Puis après ça, dès que mon sous-écoute est terminé, je remballe mes affaires puis je m'en viens ici en campagne, à ma petite maison de campagne, ma petite maison de campagne dans laquelle j'ai travaillé tellement fort. Vous avez même pas idée, je vais vous faire visiter. Vous avez pas vu comment ça l'a avancé. Ça l'a avancé, je pense, un petit peu depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Quand on s'est vu, il n'y avait rien de fait. Je venais juste de rentrer dans la maison. Fait que j'ai fait beaucoup de travaux, j'ai fait beaucoup de trucs, ne serait-ce que pour rafraîchir la maison. Puis, ben oui, hein, on peut peut-être visiter ça. Tiens, je vais arrêter de perdre mon temps, puis je vais vous faire visiter ça. Ah, juste avant. Ah, oui. Allumer sapin. Ah, je veux vous souhaiter un joyeux Noël puis une bonne année 2022. Je vous la souhaite meilleure que 2021, meilleure que 2020. D'après moi, on s'en va vers la fin de cette histoire-là de COVID. Hein? Ce sera plus le sujet de conversation, ça va être terminé. On se le souhaite. Voilà. Ouais, ben tiens, on peut commencer par le salon. Ça, c'est mon salon. Hein? C'est mon salon. J'ai tout peinturé ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était comme une espèce de rose fuchsia violet. Puis j'ai tout meublé avec des trucs qu'on m'a donné. Ça, c'est Mike qui m'a donné ça, il m'en a donné deux. Des Papa Sam. Il m'a aussi donné ce fauteuil-là, cette espèce de sofa-là qu'il y avait chez eux qui se débarrassait. Ça, c'est une chaise qu'ils ont laissée ici, mais tous les chats, ils ont fait le griffe là-dessus. Fait que je l'ai nettoyé, puis je m'en sers, mais un moment donné, je vais mettre ça au chemin. Puis ça, c'est un meuble que j'ai acheté dans une brocante. Puis je l'ai payé une bouchée de pain. Puis temporairement, ben j'ai mis une espèce de petite télévision. C'est une télévision que j'ai pris chez Au Village des Valeurs à 20$. Fait que c'est ça ma télévision pour dans le salon pour l'instant. Il y a ben du temporaire, puis ça fait 5 mois que je vis dans du temporaire. Pour vous donner une idée, là, j'ai été, je pense, à peu près 2 semaines à dormir sur un petit matelas à terre. Je faisais littéralement du camping. Puis à un moment donné, j'ai eu un des plus beaux cadeaux
que je pouvais pas avoir un matelas polysleep. Vous m'avez vu venir, là? Je pense que c'est mon paquet qui vient d'arriver. Je suis tellement content. Je suis tellement content, vous n'avez même pas idée. Ça, is it for Yann? Oh yes! Nice! Une première boîte. Un gros changement dans ma vie. Vraiment, un gros changement dans ma vie. Ça fait plus de 15 ans que je dors sur le même matelas à la maison. C'est un matelas que j'avais acheté avec la mère de mes enfants pour la visite. C'est un matelas cheap qu'on avait acheté pour la visite. Quand je me suis séparé, ben c'est le matelas que j'ai récupéré. Mais là, il est complètement fini. C'est épouvantable. Il est complètement fini, puis je dors mal depuis à peu près 7-8 ans. Puis, j'ai essayé toutes sortes d'affaires, des pilules, des motrins, je savais plus quoi faire jusqu'à temps qu'un moment donné, en logeant dans un hôtel avec l'équipe de sous-écoute, je me rends compte que je dormais bien sur des matelas qui avaient de l'allure. J'avais jamais clutché. Je sais pas pourquoi, j'avais jamais clutché. Fait que là, il était temps que je me procure un nouveau matelas. Pis quoi de mieux que une commandite de Polysleep. Je suis tellement content. Je suis tellement content. Bon, on ouvre ça. Ma vie. Pour vrai, là, j'étais quelqu'un qui avait tout le temps des mal de dos, puis le matelas Polysleep, là, je suis tellement bien à cet âge, je dors bien. C'est la première fois que j'ai un bon matelas, puis c'est la première fois que j'ai un bed frame. Regardez ça! Mon Dieu, j'ai une chambre d'adulte, on dirait! Ça, c'est mon setup de podcast. Un petit setup de fortune pour faire du podcast, parce que je pouvais pas arrêter de faire du podcast, j'aime tellement ça. Ça, c'est ma salle à manger. Ici, c'est ma salle à manger. Là, pour l'instant, c'est comme un espèce de kit de patio qui est en train de pourrir dehors, que j'ai rapatrié. Puis ça va être ça pour un petit bout, parce que j'attends une belle table style mid-century. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Mike. C'est un cadeau de Mike. Il est tellement généreux. Il m'a tellement donné de cossins. Il m'a tellement donné d'affaires. Depuis qu'on se connaît, mais surtout avec la maison, il m'a donné des sofas. Quand il se débarrasse de quelque chose, il me l'offre tout le temps. Puis là, ben, il a vu dans ma cuisine qu'il y avait un trou. Il a vu qu'il y avait un trou. Puis Mike, je pense qu'il est un peu...
je pense qu'il y a, il y a un TOC, je pense qu'il y a un trouble obsessif compulsif, puis ça l'énervait le trou, je pense. Puis il disait, je t'ai acheté un lave-vaisselle parce que je le sais que si tu l'achètes pas, tu l'achèteras jamais. tiens, je vous montre-tu, tiens, ça c'est mon atelier de peinture. Un petit atelier, c'est ça, encore là, c'est temporaire. J'ai pas encore tout ce dont j'ai besoin. Il va y avoir des tablettes avec mes tubes de peinture. Puis, mais ça, c'est mon espace pour peinturer. Ah, oh, regardez! On voit les petits oiseaux. Je sais pas si on les voit bien. Il y en a tout le temps plein. Ici, là, c'est le paradis des oiseaux. Ah, là, ils nous ont vus. Ah, il y en a un. Ils tournent autour, là, ils m'ont vu, là. Ils sont un petit peu gênés. Ah, crime, ça me manquait de vlogger. Ça me manquait de vlogger. Le pire, c'est que il s'est passé tellement d'affaires. Depuis que la dernière fois que j'ai vlogué, il s'est passé tellement d'affaires. J'ai fait de l'humour un petit peu partout. J'en ai fait à Québec. Il y avait une liste, comme. Une liste de dénonciations. Il y avait 1500 noms là-dessus. Puis il y en avait dans pas mal tous les métiers. Il y avait beaucoup d'artistes, hein? Il y avait des tatoueurs, des chanteurs, des comédiens, des YouTubers, hein? Oui, bien sûr. Donne-moi les codes promo, c'est-tu? 1500 noms, Chris. C'est pas une liste, c'est un potin, c'est-tu? Sérieux, tu rajoutes une dizaine de noms, il est assez épais pour que Jean-Thomas se crosse dessus. Après ça, je suis monté avec Jer, puis Phil, le booker de Jer, puis on est allé à Rimouski, on a trippé bien raide, c'était vraiment cool. On est dans le pic, magnifique place, je trippe au bout, c'est la première fois que je viens ici. On est en direction de Rimouski parce que je fais la première partie de Jer. Jer fait sa tournée hybride, le best des deux shows. Yes sir, what's up, gang? Hey. Oh yes! Il m'a offert de faire sa première partie. Puis là, bon, on va faire ça à un bar qui s'appelle Phil. Campus Bar. Faut que je vous présente Phil parce que Phil, c'est un hostie de gars qui opère. C'est le booker à Jer, c'est un peu comme son assistant, puis c'est un gars qui opère en tabarnak. Il est là, puis il nous assiste, mon gars, puis il s'assure qu'on manque de rien, il s'assure que tout soit booké, que tout soit organisé, qu'on n'ait rien à passer sauf nos numéros, fait que ça nous rend tellement la tâche plus facile. Phil, c'est un... il opère, il est efficace. Phil, good. Phil the Trill. Phil the Trill. Puis ce qui est le fun, c'est que Jer, à chaque fin de show, on embarque les deux sur scène, puis on fait un petit podcast. C'est exclusif à nos membres Patreon. Puis on s'enregistre, on fait juste jaser comme un podcast. Sur scène, on prend des questions du public. Puis on déconne. On déconne, puis on a du fun en crise. Ça marche bien. Ça marche. Bon. Ouais, je pense que oui, hein. Ouais, ça marche bien. Il va nous amener, genre, chez son esti de frère. Hâte de découvrir. Où est-ce qu'on dort? Crime, je pense qu'on va être proche du bord de l'eau, les gars. Dans un ancien couvent. Wow! Wow! Okay, on est sur le bord de l'eau, par exemple. Ça, on est vraiment bon, sur le bord de l'eau, c'est fou, ça, là. C'est regarde ça, la vue. Je te suis. Venez voir ça. Oh. Jay? Ouais. On a même la vue sur les rabais du McDo. On va faire aérer. Ah, calice! Mais Chris, on a un appart. Ah, si, on a un appart. On a
Fait que les gars, pas besoin de se battre, je le sais, je dors sur le futon quand on lisse. Ben c'est voyons bon. Donc! On hey, a le balcon pis tout! Vu sa mère! Ben oui! On vit le rêve, Jer! On vit le rêve, tabarnak! On va vivre le rêve, mais il faut aller dans la salle de bain voir. Il trouve que ça sent mal. Ah, oh, c'est cute, la belle petite cuisine laboratoire. Ok, il y a un des lits, c'est le futon. Bon, ça a de l'air qu'ils ont pas. Le HD se rend pas à Rimouski. Il y a un lit ici. Il manque juste le lit d'eau, Asti, pour on est en business. Ouais, là, je suis content. T'es content, là? Il y a de la meilleure air, là. La belle air de Rimouski, hein? Ça, c'est la chambre à Jer. Ben, pas d'amener la veille. Ouais. Regarde-moi ouais. Ça, comment qu'il est bien installé, c'est à Jer. Ah, c'est propre, c'est propre. Ça sent déjà. C'est propre. C'est en propre. Autant que le coulis de la, du bain soit propre, qu'on ait des places à coucher. Que les joints sont pas noirs, là, tu sais. Ouais, absolument, c'est un bon signe, quand les joints sont noirs. Ça. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement, sans penser à demain, à demain qui vient toujours un peu trop vite. On est pas sûr d'être là. Non, non, ta mère c'est une salope et je l'encule. Je dois tout pas fit. Penser à toi, sinon je viens. Je viens vraiment beaucoup, un peu trop vite. C'est pour ça que je pense au petit chien. Jer, là c'est la, ça, là c'est pas mal la dernière stretch que tu fais ces jokes là. Avec ton spectacle hybride, c'est un peu comme un c'est un peu comme le cimetière de tes vieilles jokes avant de passer à ton troisième show, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que je suis tanné des fers, puis c'est surtout le fait que j'ai vis plus. Je ne les vis plus. Tu ne vis plus tes jokes? Ouais, c'est plus pas un pilote automatique, fait que. Ouais. Mais ça me tente pas d'en venir à ça, puis je pense qu'on a fait le tour, puis c'est ça. Ça te fait-tu peur? Ça te fait-tu peur? Parce que, tu sais, là, une fois que tu vas avoir fini cette tournée-là, t'as-tu assez de matériel d'écrit ou tu vas-tu faire cette tournée-là jusqu'à temps que t'aies un autre spectacle complet? Ben, tu sais, je pense pas que je vais repartir en tournée avant tout de suite, là. Fait que. Ouais? Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, de toute manière, j'ai déjà une demi-heure environ d'écrit. Une demi-heure? Ouais, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai plein d'autres matériels qui a besoin d'être taillé, là. Mais je suis content de ça. Mais là, c'est drôle parce que là, en ce moment, j'étais un peu triste. Là. C'est comme. T'es triste de. Ah, ouais, c'est de, comme de la dernière ses... fois que tu baises avec la fille que tu vois. tu fais comme. Tu sais, les deux le sait que ouais, ça marche pas. Oh, on s'entend ouais. Pas. On est pas capable de vivre ensemble. Mais. Ouais, fait que c'est un peu ça. Là. C'est notre dernière baise à moi puis mes blagues. Avant de passer à autre chose. Salut les boys! Yes sir! Yes! Vous êtes venus voir un show d'humour? Thank you! Ouais. Thank you d'être là, tabarnak! Ouais, merci! Hey, je suis venu ici pour toi, moi! Vrai, ah ouais? J'ai payé 100$ mon billet, moi! J'ai payé 100$ mon. Tu t'es fait fourrer, tabarnak! Tiens, signe-moi, Michel, c'est que c'est bon! Fuck que c'est bon! Salut! Ben, c'est propre là, puis. Il dit ben c'est propre. Il dit ben c'est propre parce que. La chambre de massage est juste là. La salle de massage. Il y a de quoi qui a arrangé une ginette en face, ça tient tout le temps. Ah, que c'est bon. Faire de l'humour, c'est accepter. Faut vraiment pas que tu sois une chochotte, puis il faut que tu acceptes des fois que la loge, c'est ça. C'est un entrepôt. Un storage, un fond de sous-sol. C'est bien correct, tu sais. On n'est pas regardant. On n'est pas regardant. Ça va être cool, ça. Puis ça, tu vois, faut pas que tu dises ça à ton psychologue. Ça ajoute des séances, OK? J'avais tellement pas les moyens de faire ce joke-là, là.
GF est sur stage. GF Otis, c'est quelqu'un que vous avez probablement vu dans d'autres de mes vlogs. Il s'est rajouté sur le pacing de ce soir, il n'était pas là pour Québec. Mais vu qu'il vient du coin, ben il a demandé à être sur le show. Puis Jerry a laissé une petite place, il va faire un petit 10 minutes. Fait que j'embarque dans 10 minutes. C'est comme weird, le son est pas assez fort. Mais le monde a de l'air dedans, puis ça a l'air bien, bien cool. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir votre vraie première partie ce soir, tout le monde? Ouais! C'est un gars qui me fait excessivement rire, c'est sûr et certain que vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, vous allez tomber en amour avec, mais chose sûre, vous allez rire. Tout le monde, faites un tonnerre d'applaudissements pour Yann Thériault! Ouais! C'est super beau, vous avez de belles villes. Vous pouvez l'applaudir, votre ville! Ouais! Ouais, ouais, ouais! Toute l'affaire, c'est qu'il y avait des danseuses au côté. Comment ça, vous avez fermé ça, Ciboire? C'était un peu comme. Hey, c'est votre faute, c'est fermé. C'est quoi, c'est le COVID qui a fermé? Votre maladie de la ville, oh, tabarnak, c'est bon, ça! Tiens, c'est une petite porte de maladie de la ville! Votre maladie de la ville! Ah, tabarnak! Certains, il y a plus de monde qui sont morts de la gonorrhée ici que du COVID. Ah oui, puis j'ai eu un gros dégât d'eau aussi. Ouais, ben, je savais qu'une maison... C'était rempli d'imprévus. Mais là, j'aimerais ça que ça arrête, les imprévus. J'ai la laveuse qui m'a lâché. C'est une laveuse qui était vendue avec la maison. Mais c'est une vieille laveuse, regardez. C'est une vieille laveuse. Puis, elle a lâché, puis ça a fait de l'eau partout. Fait que là, faut que j'arrache tout le plancher, que j'éponge tout ça. Fait que j'ai l'impression que c'est pas le premier dégât, mais ça va être le dernier. On va arranger ça, on n'a pas le choix, hein? C'est ça, on prend nos responsabilités! Je pensais que c'était ça le trouble, je pensais que c'était la laveuse qui avait pété puis qui avait fait un gros dégât. Fait que je l'ai crissé au chemin. Puis en fin de compte, c'était pas ça pantoute, c'était un petit bout de tuyauterie que quand la ville faisait des travaux, ça faisait déborder ce petit morceau-là. Puis là, ben ça se ramassait partout à terre. Fait qu'il a fallu que j'arrache tout le plancher. Que je nettoie puis que je peinture. Puis là ben je me suis racheté une laveuse plus moderne, tu sais, une laveuse comme ça. Puis elle a servi à peu près 2 semaines puis elle aussi elle a brisé. Ça c'est ma douche. Ça c'est ma petite douche. J'aime bien ça, une petite douche, c'est ma douche un peu comme les vestiaires là, tu sais là, une petite douche. Ah puis là on va allumer les lumières. On va allumer les lumières. Gardez ça. Mon studio, ça avance, mesdames et messieurs, ça avance. On a bâti un mur. J'ai bâti un mur ici pour pouvoir avoir, pour pouvoir séparer des pièces. Là, pour l'instant, ça c'est une espèce de pièce où est-ce que je range tous mes matériaux. Puis c'est une pièce qui sert à rien, mais ça va être une espèce de ça va être là où est-ce que je vais installer un ordinateur pour faire de la musique puis faire du montage. Puis ici, ben j'ai décidé de faire vraiment comme une espèce de studio de un peu à la Howard Stern. Ça va être mon coin. Là, ça va être le pupitre qui est vert à terre. Je vais juste tasser.
Je sais pas si on voit bien, là, mais est-ce que le tape vert à terre, ça va être la forme de mon bureau. Puis ça va être un espèce de bureau un peu comme Howard Stern slash un bureau style talk show. Puis ici, il va y avoir un sofa. Là, j'ai mis ce vieux sofa-là, cette vieille affaire-là, mais ça s'en va au chemin. Je vais mettre un petit, une belle petite causeuse, un peu funky, un peu mid-century, ou je ne sais pas trop. Ça va être une espèce de décor un peu style... je sais pas si vous avez vu le film Shape of Water. Je veux faire une espèce de décor comme si on était dans un bunker. Il va y avoir plein de moulures. Ça va être comme si c'était fortifié avec des H-beams dans un bunker, dans un sous-sol. Puis ça va être un peu ça aussi, le concept du packaging, toute la patente. J'ai bien hâte de vous montrer ça. C'est ici que ça va se passer dans ce studio-là. Ça va être la première fois que j'ai aussi grand que ça. J'ai une pièce entièrement dédiée à mon podcast et je trippe solide. Après ça, on va ramener mon arcade. Mon arcade va faire partie du décor. Je vais mettre plein d'étoiles popper, des vieilles peintures, des vieux cadres, un peu quétaine, des néons. En tout cas, je ne sais pas trop, mais je vais penser à ça. Mais reste que avoir une touche très. Je veux que ça look, puis je veux que ça ait de l'air cool. Je veux pas que ce soit plein. Je veux pas que ce soit... Je sais pas. On dirait que j'ai le goût que ce soit un happy mess. Qu'il y ait des affaires à regarder partout. Je suis vraiment content. Mon chum Pat est venu m'aider. C'est avec lui qu'on a tout fait cette brique-là. Une chance qu'il était là parce que j'aurais jamais été capable tout ça. Je suis tellement content. Là, le studio, le projet de studio est en suspens pour à peu près... pour après les fêtes. D'après moi, je vais être capable de terminer ça après les fêtes parce que, j'ai manqué de temps. Il a fallu que je me concentre sur plein d'autres affaires. Puis deux, j'ai manqué de budget. La nouvelle laveuse, là, ça m'a coûté cher. Des nouveaux pneus pour ma nouvelle voiture. Des tickets parce que, tu sais, je poigne beaucoup de tickets. Je fais 4 heures de route par semaine. Ce qui fait que ça augmente mes probabilités de me faire pogner. Puis de pogner des tickets. Ah ben voilà, c'était un tour, c'était un espèce de life update avec un studio update. Là, il faut que je pack mon stock. On va tout fermer. Là, il faut que je pack mon stock parce que je m'en retourne pour le temps des fêtes. Rejoindre ma petite famille à Longueuil, passer du temps avec eux autres, puis c'est ça, fait qu'il faut tout que je range pour que j'active le système de sécurité, puis on s'en va fêter Noël. Hey! Encore une fois tout le monde, joyeux Noël, bonne année, merci d'avoir été avec moi, désolé de cette espèce de retard, 5 mois, c'est beaucoup trop long, on se revoit après les fêtes, je vais sûrement faire un ou deux vlogs avant de commencer à migrer vers mes autres projets. Fait que d'ici là, soyez prudents, passez une belle année 2022. Je vous en souhaite une solide avec beaucoup de succès, de la santé et du bonheur. Allez, on s'en va au prochain vlog. Bye bye tout le monde.